Et voici celui qui pourrait mettre tout le monde d'accord. C'est un Russe, on le connaît peu, mais le voici. Il apparaît peut-être au top niveau, ici à Tianjin, Nikolaï Krukov. Dans son élément de prédilection, le sol. On l'a vu très en forme au mois de juillet lors d'une compétition de préparation. Est-ce qu'il est toujours au même niveau? Blessure aux genoux tout de même. Double arrière tendu, puis chute. Là, la stabilité sera décisive. Série avant, salto avant, salto avant, Henri. Salto avant, Henri, petit pied. Un dixième seulement. Suspense dans ce final des championnats du monde. Tout le monde se tient à un centième, voire à deux centièmes. Là, c'est très bien fait. Il ne faudra pas qu'il craque. D'autant que Alexei Neymov n'est plus dans le coup, que le Biélorusse Ivankov a quitté la compétition sur une blessure. Décidément, les têtes couronnées sont tombées et on va savoir si ce jeune Krukov peut profiter de cette opportunité. Salto avant, percuté. Double vrille percuté, salto avant, c'est pas mal.